Salut tout le monde, c'est Kiwi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'une nouvelle démo, qui est le jeu Foundry. Alors, c'est, de ce que j'ai vu, Satisfactory un peu différent, mais dans l'idée, c'est comme ça que je l'ai ressenti, pour être franc. Alors moi, j'ai jamais joué à Satisfactory, j'ai vu des vidéos, hein, mais j'ai jamais joué. Mais vous allez voir, en vrai, j'ai joué, je pense, un bon 30-40 minutes, je pense. Et maintenant, ça a l'air plutôt qualitatif, hein. J'ai pas eu de bug du tout, tout marchait plutôt bien. Donc, non, franchement, très très agréablement surpris, pour être franc. Alors, voilà, pour info, moi, j'ai jamais acheté Satisfactory parce que j'ai un peu peur, en fait, vous voyez, de la durée que ça prend. Donc voilà, voilà, et c'est, il sera apparemment traduit en français, donc voilà, c'est, je trouve ça plutôt intéressant. Donc là on peut voir qu'on peut, déjà qu'on a un truc random, ok, j'avais fait une ma petite partie test, on va partir là-dessus, on va voir un petit peu ce qui diffère et compagnie, et puis let's go. Donc là on voit qu'on arrive sur, sur une planète, hein, tout simplement. Je passe un peu le temps parce que ça m'éclate les oreilles là. Et je trouve vraiment le. Welcome, operator. I'm Carl, your facility management artificial intelligence. My goal is to assist you in setting up a factory. Let's run a few basic checks before we get started. Open your map to check your surroundings. Voilà, donc on peut voir, hein, déjà le jeu, je le trouve franchement très très joli. Honnêtement, c'est le style de. Vraiment de pâte graphique, moi, qui me. Vraiment, qui me plaît de ouf. On peut appuyer sur F2 pour avoir des infos, voilà, sur un petit peu les différentes choses et tout. C'est plutôt, plutôt cool. J'espère que ça sera bien traduit plus tard en français. Pour être honnête, on peut voir ici la carte. There are several ore patches in the vicinity. Equip your ore scanner from the inventory and use it to locate the ore patches. Alors, un truc qui est vraiment cool aussi. Bon, la carte là, elle est quand même petite. Après, je sais pas ce que ça vaut. Par exemple, si je mets un point ici, vous voyez, je peux créer un nouveau waypoint, vous voyez. Test, et vous voyez, test, il est là-bas, à 171 mètres. Ouais, donc, c'est pas très grand en fait. Hein. Parce que si ça, ça fait 171 mètres à peu près, vous voyez, ça veut dire que grosso modo, ça doit faire quoi? Ça doit faire, allez, peut-être 500 mètres en hauteur, vous voyez. En tout cas, je trouve ça plutôt cool qu'on puisse se mettre des points de passage et tout. Donc, il faut que j'équipe mon scanner. Donc, j'ai trois barres de raccourci. Vous voyez, en bas, tape 2 sur 3, 3 sur 3, etc. Ça, c'est une option qu'on peut aussi changer, les amis. Où c'est que je l'ai trouvé? C'est ici, voilà. Ici, je peux avoir... je peux m'aller jusqu'à 10, vous voyez. Après, je sais pas honnêtement quel est le... Moi, j'en mettrai qu'une pour le... Voilà. Pour là, j'en mettrai peut-être une deuxième au besoin. Mais je sais pas, dans ce genre de jeu, si c'est vraiment intéressant, vous voyez, d'avoir, je sais pas, plein de barres, par exemple, vous voyez. Comment on fait, déjà? Ah oui, c'est B. C'est B pour l'inventaire. Donc, on peut voir que là, j'ai une perceuse. Enfin, une foreuse, plutôt, pardon. Et là, j'ai, en fait... un objet qui me permet en fait de trouver l'or en fin de compte. Enfin, pas de l'or, mais genre plutôt des trucs à miner. Voilà, donc là on va me demander de miner des choses, ok. Donc on peut voir que c'est ces trucs là à miner. Donc ça c'est du Technum. Donc ça, je dois en avoir. En plus, vous voyez, ils le mettent, que c'est des trucs bleus et tout. Donc, vous voyez, hop, tu mines comme ça, tac. Et j'en ai eu 25. Donc, je vais en miner un petit peu plus. Parce que, si je dis pas de bêtises, j'en aurais besoin un petit peu plus. Donc, voilà. Ça a l'air d'être une ressource basique, hein, ça, pour être honnête. Donc, on va pas... Vous voyez, ça, ça a l'air d'être un truc qu'on peut miner... Un peu ad vitam aeternam, vous voyez. Sachant qu'après, on va pouvoir automatiser ça. Hein. C'est pour ça que je parlais un peu d'un Satisfactory. Parce que moi, le gameplay me fait vraiment penser à ça, tu vois. Après, je sais pas à quel point tu pourras aller loin, on va dire. C'est quoi, c'est ici?
Donc ça, dans ma partie test, je l'avais également proche de moi. Donc je suppose que... je suppose en fait qu'ils te le mettent, ça, quoi qu'il arrive, à proximité. Au moins pour le tuto, vous voyez. Donc on peut voir qu'apparemment, ça va... La journée va finir à 21h. Enfin, qui va commencer à faire nuit à 21h. Donc, je sais pas la nuit, qu'est-ce que ça fait. Alors, par contre, quelque chose qui pourrait être ajouté au jeu. 200. Allez, on prend le petit dernier. C'est les sous-titres. Pour être franc, j'ai pas trouvé d'option pour les activer, pour être honnête. Ouais. Ça j'avoue que je sais pas trop. Les sous-titres, peut-être, voilà, peut-être que les sous-titres, voilà, peut-être que tu peux pas les activer, vous voyez, dans le, ici, enfin, dans la démo, peut-être qu'en réalité tu pourras, mais vous voyez, ici j'ai regardé, et j'ai pas trouvé de sous-titres, par exemple, alors peut-être que je me trompe, hein, mais, ouais, vous voyez, ici ça y est pas, bon après il y a du multiplayer, apparemment, donc voilà. Donc là, ils me disent de faire quoi d'ailleurs? Ah oui, en fait, je dois venir ici. Et je dois déposer, voyez, mon Xenophérite. Alors, ça me fait penser que je n'ai que deux ressources principales. Puisque, vous voyez, ici, j'ai le Technome. Donc là, je clique une fois et il me met les 198, voyez. Ah non, oh, je peux même en rajouter un peu. D'accord, je peux même en rajouter un peu. D'ailleurs, je dois en avoir encore dans la buzz, vous voyez. Ok, et donc là, bah, je vais faire pareil ici, vous voyez, tac, donc là, je mets par 200, donc là, ici, donc tu mets ça, ça te produit des barres de Technom, et là, ça te produit des plaques de Xénophérite, vous voyez, ensuite, ils vont me demander de les prendre ici, en fait, pour après construire des fondations, voilà, on va voir ça de suite après, mais grosso modo, j'attends que lui se finisse, vous voyez. Vas-y, vas-y, poulet. Ok, donc sans ramasse et sans ramasse. Ok. Donc ça, c'est bon. On ouvre le crafting menu. Alors ça, je sais plus comment c'est. Ah, tiens, ça, j'avais pas vu ça, tiens. Ah, j'aime bien. Ah, c'est drôle. Ah, c'est marrant. Mais alors ça m'aide pas. Pour le coup, ça m'aide pas. Le crafting menu, du coup, c'est quoi? C'est C, je crois. Voilà. Donc là, on a le crafting menu. On voit les... En plus, on voit, je suis bête, les trucs en bas. Donc, il y aura de la recherche, apparemment. Voilà, bon, ça c'est... Peut-être qu'on le sent, on le débloquera peut-être plus tard. Ah, j'ai une lumière pour la nuit. Génial. Et j'ai une tablette. Ah oui. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs choses. J'ai soit des structures, soit des composants, ici, que je vais pouvoir faire plus tard. J'ai bah ça, c'est ce que j'ai déjà actuellement, donc je sais pas si tu le détruis ou peut-être faire plus tard des nouveaux trucs. Et vous voyez, ici, on te dit, par exemple, que tu peux faire ça en tier 1, etc. Donc, voilà. Donc ensuite, ils vont me demander de craft 25 building blocks. Alors ça, pour être honnête, attendez. Je sais plus. 10... Il me manque des xénophérites. De toute façon, je vais ramasser. Hein. Tout ça, c'est... Voilà, j'en ai besoin, les gars. Donc ça, hop, let's go. Donc ça m'en fait quoi? Ça m'en fait 20. Il m'en manque 5. Parfait. Bah, je les ai, du coup, c'est bon. 40, 50. Bon. Je vais en avoir un petit peu plus. Bon, c'est... Tant pis. Hein. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, ça doit être un petit coffre au besoin. Alors, attendez. Si je peux... Donc on peut ramasser de la terre et tout aussi. Et on aura des styles de... Alors, est-ce que c'est ça ou pas sur cette carte? C'est quoi? J'ai eu quoi là avec ça? Ok, j'ai eu de la biomasse. Donc on peut avoir de la biomasse. En fait, ça va servir de carburant pour plus tard. Donc ça, je vais en ramasser déjà un petit peu. J'ai eu quoi là? J'ai eu de la biomasse encore. Donc ça, voilà, ça je vous dis, je vais ramasser un peu parce que ça, je vais en avoir besoin. Pour dans pas très longtemps d'ailleurs. Parce qu'on va déjà commencer à automatiser dans vraiment pas longtemps, pour le coup. Donc, c'est pour ça que, voilà, que je vous disais. J'ai pas l'impression que mes outils de base, en tout cas, aient de la durabilité. Alors, si je trouve ça, ça fait quoi? Ça donne aussi de la biomasse. Et moi, c'est les champignons, en fait, que j'avais vu dans ma partie, c'était ça. Donc là, on va retourner... donc voilà, il y a ça qui est toujours affiché. Donc là, on va miner en continu de ça, vous voyez. Alors, ça a déjà repop, hein.
Ça et l'autre truc qui était où était là-bas. Donc moi, Minessa en premier, je pense. Et dans tous les cas, je ferai probablement les autres. Donc ici, donc là, j'ai beaucoup de biomasse, vous voyez. Avec une fuel value. Et ah, ça me donne de la pierre, tiens, aussi intéressant. Donc en fait, ça en 3, hop, on a 3. Et donc, alors là, ce qui est plutôt intéressant, les amis, regardez. Alors, j'ai l'impression. Alors, vous savez quoi, je vais mettre ça comme ça, vous voyez. C'est que je peux mettre directement comme ça, en fait, vous voyez. Je pense que c'est suffisant, ça, non? Ouais, je pense que c'est suffisant. Au pire, je l'enlèverai après. Parce que je sais que je vais avoir besoin de choses à mettre, en fait, vous voyez. Donc, on va crafter un drone miner. Ouais, c'est ça. Donc là, il me faut des xénophérites plates. Alors là, par contre, j'ai pas l'impression, vous voyez, que je puisse me le mettre en. Comment ça s'appelle? Vous voyez, en fait, de dire, admettons, je veux, je sais pas. Admettons, tu vois. Quand t'as un truc un peu plus loin, tu vas peut-être te dire, voilà, je suis dans une phase de farming, je veux, je sais pas, construire les 3 drones de minage, tu vois. Et en fait, j'ai pas l'impression que tu puisses, un peu comme dans, comment il s'appelle, mince, je l'ai dit tout à l'heure, le jeu, Satisfactory, tu vois, tu peux mettre, en fait, une liste, en fait, de ce qui te manque, vous voyez. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas dans ce jeu, ce qui est un peu dommage, hein, pour être franc. Parce que j'avoue que ça aurait été pas mal. Donc là, on va crafter donc un drone miner. Est-ce que je fais qu'un seul drone miner? Oui, je pense que je vais faire qu'un seul drone pour commencer. Donc on va faire un ici, tac. Vous voyez, je pourrais en faire deux. Mais j'en faire juste un. Parce que j'ai déjà tout ça en fait. Vous voyez, j'en ai déjà quelques-uns apparemment de ça. Non, ou alors il me le fabrique avant, c'est ça? En fait, si tu cliques là, vu que t'as pas les trucs, à mon avis, il doit déjà te fabriquer les. Peut-être ça, je sais pas. Ça, franchement, je sais pas du tout. Donc, ça, je l'ai fabriqué. Il est où, mon drone miner? Il est là. Ouais, donc, je vous montre un. Hop. Donc, lui, par exemple. Donc, vous voyez, il a besoin d'une fondation. C'est marqué ici. Voilà, requires foundation. Donc je vais le mettre, bah. Comme ça? Ça me paraît pas déconnant. Et donc là, en fait, vous voyez, j'ai ici 3 slots. En fait, ça va être 3. Comment ça s'appelle? 3 petits bonus. 3 robots, en fait, qui vont aller. Qu'est-ce que c'est ça? C'est V. Ah! Ah, d'accord, en fait, tu peux target le truc et ça te dit ce que ça te donne avec V? Putain, je savais pas. Par exemple, ça, vous voyez, ça va me donner. Ah! Et ça, franchement, vous voyez? Ça, je savais pas, par exemple. Copie de target, admettons. Not in-house. D'accord. Oui, d'accord. Donc, en fait, il te les faut. Mais ça, c'est bien, ça. Tu vois, que tu puisses copier, tu vois, en fait, les différents. Les différentes choses, tu vois quoi. Donc, là, il me faut un biomass burner. Donc, c'est ça. Donc, j'ai 70% d'efficacité. Donc, là, je suppose qu'à me fabriquer des electronic components encore. Bon, peut-être que j'en avais déjà en fait. Mais vu que c'est pas dans l'inventaire, je sais pas, c'est douteux. Je pense pas en fait que je les ai. Je pense juste qu'ils me fabriquent si j'ai. Vous voyez? Donc lui, bah lui en vrai, je vais mettre juste à côté. Je vais pas me faire chier. Donc là, j'ai fabriqué ça et là, je vais mettre bah, du coup ma biomasse. Pour le coup. Donc, tac. Voilà. J'en ai mis 99. Et donc là maintenant, ça va me faire. Ça, vous voyez. Et donc là, on peut voir que. Voilà. On peut voir ici la consommation. On peut voir que ça, voilà, ça prend 100 à peu près. Donc, voilà. Bon, ça avance. Et là, vous voyez, j'ai mes petits robots là, ici, qui ramassent. Oh, j'ai même 4 robots. Oh, ok, je pensais que j'avais que 3. Et donc là, on peut voir, vous voyez, ici, que chacun de mes drones, en fait. On peut voir en fait, voilà, ce que ça fait. Donc ça, c'est plutôt cool.
Ensuite, on me demande de craft un smelter. Et donc, c'est pour ça, en fait, là, ici, j'ai automatisé, du coup, cette production à ce niveau-là. OK? Donc, c'est-à-dire que maintenant, si, bah, ça, si j'ai besoin, hop, j'ai plus qu'à ramasser. Et basta. Je sais pas si j'ai un maximum, pour être franc. Mais, voilà. Ça, au moins, je vous le dis. Maintenant, il me faut un smelter. Alors, ça, en max, ça prend 200. Et ça, en fait, en max, ça produit 600. Donc, vous voyez, là, je vais être à 200, 300, ici. Donc je vais être voilà, plutôt je vais être encore bien pour être franc. Donc voilà, aucun on se prend pas la tête les gars. Voilà, c'est ça. Et là ça farm. Et je me dis, est-ce que je ferai la même chose là-bas? Après, comme j'ai pas là dans l'optique de continuer la partie entre guillemets. Enfin, de la continuer, on se comprend les gars. Bah ça en vrai, en fait je me dis, tu vois, je vais tout mettre ici limite, tu vois. The smelter is more efficient than the inbuilt drop pod smelter, so you should start using this from now on. Another benefit is that we can automate the smelters to make our life easier. For this, you need to connect the drone miner to a smelter by using loaders and conveyor belts. Alors, craft deux loaders. Alors ça, honnêtement, c'est quelque chose que je sais pas ce que ça fait, pour être franc. C'est un truc là que je découvre, hein, donc... Donc, vous voyez, ça diminue quand même plutôt pas mal. Après, ça, voilà. Il y a quand même un petit peu ce que ça fait. Alors, le smelter, pour être franc, je sais pas du tout ce que c'est. Your drop pods. D'accord, donc en fait. Ok, en fait, ils me disent qu'il faut que je commence à construire en fait mes trucs. Bon, on va voir, hein, de toute façon, je vais suivre le tuto. Honnêtement, le tuto est plutôt pas mal, hein, pour être franc. Donc, des loaders. Alors, c'est quoi des loaders? Donc, c'est ça. En fait. Donc, ça, il faut que j'en fabrique deux. Un, deux. Et craft 20 conveyors. Et il me manque des machinery parts. Il me manque des xenoferrite plates. Alors, ça, la xenoferrite, est-ce que c'est la xenoferrite? C'est ça, de la xénophérite. Donc ça, en vrai, attendez. Et donc je prends ça là. Hop, j'ai pris les 192. Et donc là, admettons, j'y mets... Voilà, je peux mettre ça par exemple. Et en out... Donc en input, tu mets ça. Et en output, ça te sort ça. Donc là, vous voyez... En fait, au lieu d'aller farmer tes trucs là-bas, d'accord ? Au lieu en fait de farmer ici, où je sais pas combien donne combien, pour être honnête, j'ai pas regardé. Je suppose, il est déjà 21h, what the fuck. Alors, est-ce que la lumière marche bien, pour être honnête? Ça, c'est oh, c'est clair plutôt pas mal quand même. Donc là, vous voyez, ouais, on va dire pour un, ça m'en fait un 100. Ouais, mais ça en fait, je pense que après, tu vois, tu. À mon avis, tu dois le relier ça à ça en entrée, comme ça, lui. Je pense après qu'il va faire un peu ces trucs-là. Donc là, il me faut 20 conveyors. Donc. Parce qu'il manque les machinery parts, il me faut des xenoferrite plates. Bon, ben ça. Ça, je vais attendre, hein. Je vais les récupérer d'ici directement, les gars. Mais je pense que ça doit être plus rentable, vous voyez. Ça m'en fait 20 par minute. Là ou là-bas. Alors, est-ce que là-bas j'ai une info? Là-bas, j'ai pas d'info, pour être honnête. Là-bas, j'ai pas d'info. Alors, quelque chose à savoir, le temps que ça farme là-bas, vous voyez. On peut customiser un peu nos trucs, vous voyez. Donc, ça, c'est. Honnêtement, ça sert pas à grand-chose, mais c'est plutôt classe. Moi, j'aime bien. Tu vois. Et on va mettre ça en quoi? En noir aussi? Vas-y, allez. Donc, voilà. Je me demande si après, on pourra avoir plusieurs autres. Ils vont alors on va récupérer ça déjà. Hop, donc là j'ai pris quoi là? Attendez, ok, c'est bon, je l'ai récupéré, je pense. J'ai récupéré, ouais, j'ai récupéré, c'est bon. Vous voyez, et là en fait, là tu commences à devenir totalement automatisé, vous voyez. Donc je peux en faire 10 de plus. Hop, hop, et il m'en manque encore encore un tout petit peu. Oh, je suis un connard. C'est ça qu'il me faut. Pas cela. Oh, merde.
Ah, d'accord, donc ça en plus ça consomme des conveyeurs normaux, c'est ça? Ah merde, est-ce que je peux les. Est-ce que je peux les. Ah, donc je peux les améliorer encore. Bon, on va garder, c'est pas grave, c'est pour la petite erreur de ma part, my bad, mais c'est pas gênant pour être franc. Je vais aller farmer un peu de biomasse en attendant que ça se. Voilà, que ça farme. Et donc vous voyez que là j'ai déjà un premier truc qui est partiellement automatisé en tout cas. Puisque, eh bien, en fait, la biomasse, c'est un peu la merde à trouver quand même. Hein. Enfin, à trouver. On se comprend, les gars, mais. Hop. Et franchement, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Mais ça peut vite devenir casse-tête, vous voyez. Mais ça, c'est un jeu, franchement, qui. Si vous aimez ce genre de jeu, il y a moyen, peut-être, que ça soit pas trop mal, vous voyez. J'ai récupéré, je pense, un bon 200 en attendant, vous voyez. Que, bah, que ça se fasse parce que je me dis peut-être ça va repop en fait entre temps donc voilà on va j'en profite un peu mince je vais retourner un peu vers là-bas parce que j'en ai un nouveau je suis à combien là 169 allez je pense que je vais me trouver quelques arbres de plus et basta hop et donc là il va faire jour à 6h du matin d'accord je sais pas d'ailleurs si ça change selon les comment ça s'appelle selon vous voyez les heures, enfin les heures, selon les journées par exemple, vous voyez. Donc ça, il m'en faut 20. Ok, j'en ai déjà 14. Et là, bah, là, il m'en manque un tout petit peu. Et vous voyez là, après, d'accord, donc là, c'est à 200. Voilà, inventory full. Donc là, en fait, ici, je suis full, d'accord. Ça, je l'ai récupéré. Et donc là, ça va reprendre. À farmer. Et donc là, bah là, je vais en remettre. Et donc là, maintenant, il faut un research server. Donc, je pense que c'est pas trop mal que j'en ai construit plusieurs ici, en vrai. Donc, research server, ça doit être... c'est où, ça? C'est ici, c'est ça? Research server, il est où? Smelter, drone miner, biomasse, nia, nia. Ah, c'est ça. Donc là, il me faut quoi? Il me faut des technoferrite plates. Bah ça, j'en ai plus. Et des technoon rods. Ok. Est-ce que franchement je commencerai pas à faire ça aussi là-bas. Vous voyez? À commencer à avoir en fait des choses ici qui se. Qui se récupèrent, vous voyez? De commencer un peu à automatiser par là, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais peut-être le faire. Là, je vais déjà tout ramasser ici. Après, je me dis ça. Si j'en ai pas forcément besoin, je le ferai que si vraiment j'en ai besoin, je pense. Hop. Voilà. Là, j'en ai ramassé ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Insert. J'en ai 186, donc là, je vais attendre. Là, ça prend 3 secondes. Et attends, 184. Donc là, ça me fait 1 pour 2. D'accord. Je suppose que là, ça me fait 1 pour 1. 172, 38... Ouais, c'est ça. En fait, ces trucs-là, ça me fait un pour un, en fait. Donc, c'est vraiment... En fait, ça, c'est vraiment plus rentable, pour le coup. Ça, pour le coup, no joke, c'est ultra rentable. Alors, maintenant, la question, c'est... Attends, on va tester un truc. Ils m'ont pas demandé de le faire, les gars. Mais on va essayer un truc. Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu... Voilà, j'ai même testé des fois. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, tu mets ça... Alors, comment je sais... Attendez... Bon, ça, en théorie, tout devrait sortir d'ici. En théorie. Parce que... attendez, est-ce que je peux tourner? En théorie, tout devrait sortir de là, quoi qu'il arrive. Tac. Tac. Alors, par contre, j'ai aucune idée... d'où c'est censé rentrer, par contre. En fait, je ne sais pas si là... J'ai des trucs différents, vous voyez. On va tester, de toute façon. On est là pour tester, les gars. Donc là, hop. Voilà, donc là, ça veut dire, si j'ai bien compris, que là, ici, 174. D'accord, donc ça n'a pas l'air de marcher. Donc là, c'est bon, je l'ai maintenant. Hop, un rich search. Alors, en vrai, j'ai quand même envie de me faire ça, en vrai. Hein. Un drone miner avec un smelter et quelques... un loader. Est-ce que je donne dans le loader? Je sais plus.
Mais ça, je vais en faire quelques-unes de ça. Je vais en faire que deux là? Merde. Donc ça, j'ai deux loaders. Oh, j'ai crafté des choses. Je sais pas si c'est une connerie que j'ai fait, mais bon. Blast résistante. Donc apparemment, il y aurait des blasts. Ok. Alors, attendez. Le panel. Oh, c'est gros ça. Oh. On va le mettre là. Craft 300 packs. D'accord, donc là, on a besoin de quoi là? Craft a few by hand to unlock your first research, Ouh! Ah oui, les gars! Oui! D'accord, donc en fait, tu peux augmenter tes trucs, c'est ça? Ah, tu peux passer en niveau 2, etc. Ah! Et donc là, par exemple, pour avoir ça, d'accord, il te faut le character improvement. Et donc, c'est ça, d'accord. D'accord, ok. Et donc, ça nécessite quoi? Ah, oh, ça nous donne plus de slots d'inventaire et ça demande 5 science packs. D'accord, ok. Mais c'est plutôt pas mal, ça, les gars. Alors, bon, les science packs, c'est où? C'est ici, hein. Et il me faut des Technumrods en masse. Bon, ben, on va se les faire, les gars. Mais je pense que je vais automatiser ça aussi. Merde, je sais pas où c'est. Ouais, genre là-bas. Je pense que ça vaudrait le coup que j'automatise un petit peu. Vous voyez? Au moins, en fait, la récupération et le crafting. Donc, on va refaire ça. Tac, donc ça, on va dégager, les gars. Ça, on va dégager. On va remettre ça. Les verres, trucs comme ça, là. Ouais, on va mettre ensuite. Alors, j'espère que j'ai ce qu'il faut. Ça, un loader, je sais pas pourquoi ils me l'ont fait prendre. Attendez. Est-ce que c'est moi qui ai merdé? Attendez. Ah non, vous savez quoi? Je m'éparpille de ouf en fait. Donc ça, attendez, ça... Voilà, ça c'est ici. Génial. Donc ici, je vais dans tous les cas reprendre un peu. Donc on va dire... Oh, ouais, j'en ai 20 au maximum, donc on va pas aller loin. Mettre ça comme ça, je pense. Et ça comme ça, et ça comme ça. Voilà. Tac. Ensuite, on va se fabriquer quoi? Ça c'est quoi ça déjà? Ça, je le mets là, c'est quoi ça? No power. No power, pourquoi? Ah, parce que je suis pas relié à l'autre là-bas, c'est ça? Ok, donc il va me falloir des nouvelles plaques ici, ok? Des prods ici, tac. On va récupérer dans un premier temps. Alors en théorie, j'ai fait le. Je l'ai pas fabriqué? Ah si, le drone miner, voilà, je l'ai fabriqué quand même. Je suis pas fou. Je suis pas fou, rassurez-moi. Bah lui, on va le mettre là, je pense. Voilà. Ah, c'est pas trop mal en vrai. No power. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas de power. Bah, il me faut du coup. Si je ne dis pas de conneries, il me faut une biomasse. Ici, que je n'avais pas fabriqué, évidemment. Et j'ai encore pas mal de biomasse pour lui. Donc, j'en mettrai 100, je pense. Et je mettrai la même chose de l'autre côté, vous voyez. Donc, ça, je vais mettre bien à côté. Je vais mettre genre. Putain, c'est petit ici. Hein. Ça a besoin d'être sur. Je sais plus. Ça a besoin d'être sur un. Ouais. Ça a besoin d'une fondation. Mince. Est-ce que je peux pas en fabriquer de nouvelles des fondations? Parce qu'à la limite. Hein. À la limite, les gars. Genre, regardez. 4. Genre, je le mets là, admettons. Tu vois. Ah, je suis tombé. Même à la limite, je vais le mettre là. Je pense sur le côté, vous voyez. Ici, je me dis. Ouais, je devrais pas trop en avoir besoin, peut-être. Je sais pas. Trop, voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, je vais mettre le biomasse ici. Comme ça, au moins. Alors, par contre, un truc, c'est que je sais pas, vous voyez, la portée de ça, pour être honnête. Alors, je peux pas mettre directement comme ça? D'accord. Ah, si, 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 pardon. Donc là, ça marche. Donc là, hop, ça devrait aller me les chercher, là-bas. Et là, ça devrait. Et donc là, ici, je devrais pouvoir y mettre. Eh ben, ce qu'ils vont me récolter ici. Voilà. Donc là, on a déjà automatisé cette partie-là. Maintenant, je vais m'occuper de ça là-bas. Attendez, est-ce que je peux me fabriquer les packs de science? C'est où? C'est là? Il me manque des machinery parts et pour ça il manque des xénophérites. Donc ça, bah ça va bientôt être full en théorie. Ouais, ça c'est full. Et donc ça, bah ça, je vais rajouter par contre.
Voilà, ça, on va rajouter là. Donc, peut-être que ça... peut-être que ça, je l'ai merdé. Ok ? Allez, on va... Donc, on va... Merde. Attendez. J'enlevais des... Ouais, j'enlevais ça. Hop. Je sais pas si on peut bloquer, vous voyez, un truc. Je sais pas du tout. Donc là, j'ai, admettons, un loader. Attends, un loader, il fait quoi ? Donc là, maintenant, on craft donc les packs science. Donc ça, en fait, même ça, j'en ai même plus besoin, du coup. Vous voyez ? Ça, j'en ai plus besoin du tout. Ici, donc là, j'ai ça. Là, j'ai ça en sortie. Donc là, on fait ça, tac. On va même récupérer ça. Alors, le problème, c'est que je pense, à un moment donné, je vais être full. Je pense. Mais, tiens, d'ailleurs, niveau carburant, il est bon, carburant. Il est là. Tu vois, on va en remettre un petit peu. Hop. Et ça, je me demande si à terme, on pourra aussi automatiser, parce que j'ai pas... Enfin, c'est chiant. Donc là maintenant, les trucs comme ça, ça je m'en fabriquais beaucoup, donc ça, 3, 1, 2, 3, allez c'est parti, on les craft, ouais, je vais pas en crafter un de plus, parce que je veux voir en fait, voyez, ce que ça peut me donner, donc là ça se fabrique, c'est un peu long, mais bon, moi je vais essayer de voir si je peux voir quelque chose là, avec les loaders là, peut-être tu vois que c'est un truc que j'ai pas compris, alors... Alors, pour automatiser votre première ligne de production, vous avez besoin d'un drone de minage, d'un petit... enfin, ouais, d'une petite fonderie, on va dire, de deux loaders, donc, ok, donc ça, j'en ai bien deux, et de... mince. Ah oui, et de convoyeurs. Ouais. Donc, un loader, c'est une connexion entre un conveyor, donc entre un... Et les tapis, on va dire, et une machine. Donc, ça peut soit bouger les objets d'une machine vers un tapis, ou d'un tapis vers une machine. Pour accomplir donc la tâche, on a besoin de construire un drone qui va sortir via un loader. D'accord ? Je pense, en vrai, je pense que j'étais pas trop mal, hein, pour être franc. Donc là, ici, attendez, tu fais ça, ouais. Donc là, tu fais research, et ils m'ont dit assembleur. Ah oui, d'accord, donc c'est assembleur qu'il fallait que je fasse d'abord. Et ça, alors ça me dit ce que ça me donne ou pas? Donc là, j'ai plus de tuto, c'est ça, le plan? Ok. D'accord. Et du coup, je fais quoi maintenant? Du coup, maintenant que j'ai ça. Donc ça veut dire que là, maintenant que j'ai assembleur. Mais ça me dit pas ce que c'est. A machine able to craft general components. D'accord, donc ça veut dire... Ah, ça veut dire, attendez, que je dois pouvoir crafter un assembleur. C'est ça le plan. Ouais. On va le fabriquer, on verra ce que ça donne. Mais attendez. Je comprends pas, en fait, comment ça marche, le... La ligne de production, parce que si on regarde l'image, par exemple, vous voyez. Ok, en fait, j'ai compris. Ouh, j'ai réussi, regardez, vous voyez. Là, j'ai toujours 3, du coup, dedans, et ça marche. Alors, du coup, est-ce que si je mets ça, ça marche, du coup? Tu vois, je devrais rester à 199, plus ou moins. Non, en fait... Alors, en fait, bizarrement... En fait, bizarrement, les gars... Si, vous voyez, là, en fait, ça marche, regardez, vous voyez, là, ça avance, tac, 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 on est bon, ok. Maintenant, si jamais je vais faire ça, la même chose là-bas, en fait, regardez, je l'ai fait ici, vous voyez, donc là, j'ai tout ça, hop, 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 qui vient là, enfin, je vais allumer la lumière, qui vient là, ok. Mais, en fait, ça marche pas, parce que, regardez, ici, il faut que je vienne ici, j'enlève ça, comme ça, tac, et là, vous voyez, ça me les remet. En fait, il faut que je vire ce qu'il y avait de base. Pour que là, ça marche. Mais pour moi, c'est bizarre, en fait. Parce que, je veux dire... En fait, peu importe d'où ça vient, en soi, ça devrait pouvoir, finalement, marcher pareil, vous voyez. Ben... Je veux dire, c'est la même ressource de base que je lui file. Donc, bon, je vais mettre ça là, c'est pas grave. J'ai du trop plein, donc, bah, tant pis. Mais là c'est bon, je suis content. J'ai déjà deux trucs automatisés. Voilà, bon, c'est tout petit, hein, mais... Et ça fonctionne tant que j'ai de la biomasse, par contre. Donc attention à ça. Les amis, il faut toujours avoir un peu de biomasse sur soi.
Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche et je suis plutôt content. Donc, j'ai créé un assembleur. Regardez, ça, c'est un assembleur, les gars. J'ai agrandi ici. Attendez, c'est là-bas, je crois que j'agrandis. Ouais, bon, vous savez quoi? Je vais agrandir en fait là-bas. Vous voyez? On va venir ouais, jusqu'à là, je pense. Bon, c'est quoi? Je vais même aller jusqu'à là, comme ça. Tac. J'ai cassé les trucs que j'ai au milieu, au pire. Genre ça, je vais le casser. Comme ça, là, j'ai en fait, là, maintenant, j'ai une plus grosse... là, j'ai une plus grosse zone, vous voyez. Et on va mettre l'assembleur, et je pense qu'on s'arrêtera là, les amis. On a déjà un bon petit quelque chose. Alors, attendez, celui-là, je vais mettre comment? Je vais mettre comme ça, on va voir. Au pire, vous voyez, je peux sortir d'ici, même. En vrai, avec ces trucs-là, et peut-être les mettre dans un stockage, vous voyez. Ah, ouais, tiens, attendez, est-ce que ça marcherait, ça, tiens? On va tester, les gars. Donc là, en fait, il me faudrait... Du coup, est-ce que c'est considéré comme un building? On va tester, tiens. Je vais mettre de l'odeur, aussi. Je vais mettre de l'odeur, ça m'intéresse, vous voyez? De tester ça. Si ça, ça marche, on est parfait. Alors, configure assembleur. Donc, ça veut dire quoi? Crafting recipe précise, configure... D'accord. Ah, d'accord. Donc, en fait... Ah, en fait, je pense que j'ai compris. Je pense que c'est pour dire, je veux que tu me fabriques, admettons, en masse des... par exemple, des ça. Vous voyez? Et donc là, vu que je fabrique, en fait, des plates comme ça, par exemple. Ah oui, d'accord, attendez. Change recipe. Vu que j'ai ça, par exemple, je peux lui dire, tu me fabriques des pièces de machinerie. Et en fait, je pourrais... à l'aide de ça, en fait, balancer à là-bas directement. On va tester, les gars. Mais je pense honnêtement que c'est ça le... Que c'est ça le plan. Alors, j'ai quand même testé un petit truc avant, les amis. Voilà. Parce que moi, je découvre le jeu, donc... voilà, c'est des choses, en fait, qui vous paraissent... Bah, logiquement... naturelles, on va dire. Bah, pour moi, du coup, c'est clairement pas le cas. Est-ce qu'il y a quand même un building, ça, par contre? Ça me... Tu vois? Non, ça perd d'être considéré comme un building. D'accord. Et donc, dedans... Ah! Donc, non, j'ai quand même ça comme place. Ok, donc, ça veut dire que je peux quand même... Comment ça s'appelle? Ça veut dire que je peux quand même avoir des petites choses sympas. Donc là, ça veut dire... Attendez. Que je vais y mettre quoi? Un convoyeur de fond là-dessus. Donc là, ici... Je vais balancer donc des trucs comme ça. Il faut que ça vienne jusqu'ici. Donc, tac, tac. Ici, on change de sens. Et là, on va jusqu'à là-bas. Donc là, en théorie. Voilà. En théorie, voilà. Là, j'ai ça qui sort ici, vous voyez ? Et ça rentre là-dedans et ça me fabrique ça. Mais c'est génial. Ah, c'est génial en vrai. Et ça, après, je pourrais le faire sortir. Donc on voit que... Voilà, on voit que là, ça tourne au ralenti, vous voyez. Mais je pense que ça, à terme, je pourrais avoir... je pourrais mettre ça dans un... je sais pas. Dans un... c'est quoi ça? Vous voyez ça en fait après, là ça me ressort donc des trucs comme ça. Et ça en vrai, ça pourrait me ressortir. Par exemple, regardez, si on vient jusqu'à là, on pourrait dire, j'en ai une autre sur le côté qui me fait des technumrods, vous voyez. Et en fait, à la fin, j'ai ça qui se craft en boucle, par exemple, vous voyez. Ça peut clairement être ça en fait, hein. Et donc là, ici, par exemple, je peux laisser mon petit truc ici. Comme ça, ben là, par exemple, hop, je fais ça. Je viens là. Et j'y glisse mes trucs là, par exemple. Alors, la question, c'est est-ce que ça m'utilise quand même ou pas les choses. 10, j'en ai pas sur moi. Donc, ça doit vouloir dire que ça me prend aussi ce que j'ai là-dedans. Mais vous voyez, là, c'est tout. Là, j'ai un truc totalement automatisé, vous voyez. Ça prend d'un côté, hop, ça ressort de l'autre, boum.
J'avoue, je suis pas peu fier de moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose là-bas. Même en vrai, ce que je devrais pouvoir faire ici, parce que là, vous voyez... ici, vous voyez, je suis full, donc c'est un peu dommage. Parce que là, du coup, bah, on va dire que ça perdait. Après, vu que c'était à l'arrêt, je pense que ça changeait rien, vous voyez. Mais là, par exemple, ici, j'en fais quand même par minute. Ça ne me dit pas ça. En tout cas, vu que c'est blindé, je pense que je devrais pouvoir mettre un deuxième convoyeur, vous voyez, par exemple, ici, et le balancer dans un autre, dans un truc comme ça, et je pense que ça suffirait. Parce que ça me ressort 20 par minute. Non, ça me traite 20 par minute? Qu'importe, en fait, ça change rien. C'est juste que ça me fait 20 par minute, là-bas aussi. Et donc là, en fait, avec ça, je pourrais me le faire sortir. Donc ça, il faudrait que je le décale ou même que je tire ici, vous voyez. Comme ça, tac. Que je revienne, genre, potentiellement jusqu'à là-bas. Pour me faire, en fait, quelque chose ici, vous voyez. Ah, c'est stylé. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de gameplay. Et c'est là en fait que tu sens que déjà tu vois tu te casses la tête en fait tu vois. Ça je take parce que ça on sait que j'en ai de toute manière donc même en vrai je pourrais les mettre ici attendez donc tu vois tout ça en fait ça pourrait se mettre là-dedans hein. Même ces trucs-là vous voyez j'en ai pas forcément besoin ici hop. Et donc là, ça veut dire que maintenant, il me faut juste des Technumrods. Sans vendre, j'en ai ici. Ah, donc en fait, non. Donc il ne me le prend pas, en fait. Parce qu'il me faut aussi des machinery parts. C'est ça, des machinery parts? Bah, ça, j'en ai là, mais. Ah non, donc en fait, j'ai peut-être dit une connerie. Ça me les prend pas ici. Ouais, j'ai dit une connerie. Et vous voyez, là, ça voudrait dire que je peux me refabriquer masse. Voilà, vous voyez, masse truc. De recherche. Et après, en fait, je viens juste ici. Et je mets tous mes points de recherche, par exemple. Tu vois. J'en ai 12. Et ça, je me dis, même à terme, bah, ça pourrait, en fait. En fait, ça pourrait totalement aller plus vite. Basique infrastructure. Alors, c'est quoi ça? Ça fait des containers. Ah, c'est peut-être dans les containers que tu peux les mettre. Ben, on va rechercher ça du coup. Ah, parce qu'il me faut la logistique conteneur avant. Ah non, vous voyez, ça me fait. Alors, par contre, un point d'aide, ça ne serait pas de refus. Pour dire par exemple à quoi servent les conteneurs, les. Tu vois. Les machins. Ah, ça doit être, admettons, si tu veux diviser par exemple, ou ce genre de truc. Ah ouais, franchement, attendez, c'est quand même. Ah, et donc là, tu peux avoir. Ah, tu peux rajouter des choses en fait. D'accord, donc il y a des nouvelles ressources en fait que tu peux avoir. D'accord, bah, plutôt pas mal, faut juste que je vois pour agrandir tout ça, etc. Si vous voulez un deuxième épisode, non, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, si vous jugez utile en fait que je découvre encore d'autres trucs ou pas, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Mais parce que, en tout cas, là déjà, je sens le gros potentiel du jeu, tu vois. Alors après, je sais pas ce qui pourrait apporter de plus ou pas qu'un Satisfactory, par exemple. Enfin, tu vois, je me dis pourquoi prendre ce jeu plutôt que Satisfactory, par exemple. Graphiquement, je le trouve très beau. Ça manque peut-être d'informations pour les joueurs, les nouveaux joueurs comme moi. Mais honnêtement, je pense que c'est plutôt pas mal. Ah, mais attendez, putain, c'était marqué là, en fait. Ah. Vous voyez, là, le mec, il a mis, tu vois, loader slot, tac-tac, input-output, boum. Ah, en fait, ouais, si j'avais fait ça, je pense que là, j'aurais pu faire des trucs un petit peu mieux, en fait. Ouais, ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois. Et tu vois, là, les stockages et tout. En vrai, il y a quand même de l'aide, on va pas se mentir. Mais, ouais, peut-être que un petit coup de... Tu vois? Peut-être un peu d'aide supplémentaire pour dire ce que fait chaque item, tu vois? Même une petite description, hein. Tu vois, je demande pas un truc, tu vois, je demande pas un truc de fou non plus, attention, hein. Mais c'est vrai que 15 sans demande, ouf, sans demande de 15. Donc là, en théorie, je devrais pas avoir assez, parce que j'en ai que 6.
Et donc il devrait me dire j'ai pas assez. Ok, bon en tout cas moi j'aime beaucoup déjà ce que je vois ici, vous voyez. Et franchement on a déjà automatisé un peu quelque chose. Et ça, ça me plaît. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Sinon, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vais essayer d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.